Depuis sa création, la direction des pensions entreprend un vaste chantier de réforme dans le but d'améliorer la qualité de service rendu aux usagers. Donc, c'est ce qui a conduit à la mise en place de ce projet de dématérialisation du dépôt pour se rapprocher davantage des usagers résidant dans les régions. Parce qu'aujourd'hui, l'usager qui vit à Tambacounda ou à Kédougou est obligé de faire le déplacement jusqu'à Dakar pour déposer son dossier de pension. Donc, c'est ce qui a motivé la direction des pensions vraiment à mettre en place ce projet. Donc, après Tambacounda, nous voilà aujourd'hui à Kédougou pour former les agents des CRF sur le métier des pensions, mais aussi sur toute la procédure de dématérialisation du dépôt afin de leur permettre de prendre en charge les dossiers de pension qui leur seront soumis par les usagers. Cette dématérialisation permet d'alléger aux nouveaux retraités, aux pensionnés et à leurs familles les déplacements longs et coûteux auxquels ils sont confrontés dans le cadre du dépôt de leur dossier de pension. Donc, nous savons tous que Kédougou est à 702 km de Dakar. Donc, imaginez le déplacement pour une personne âgée ou sa veuve ou des orphelins. Donc, pour venir jusqu'à Dakar et déposer son dossier de pension. Donc, on est tous d'accord que ce projet vraiment arrive à son heure et ce sera vraiment un ouf de soulagement pour tous ces usagers de la direction des pensions résidant dans des zones géographiques éloignées.